la question. Ok. Après ça, m'a salué la presse en général. Presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, pour gros travail à faire. Travail de formation avec l'information qu'il a fait dans la société. Vraiment, un gros coup de chapeau pour la presse, et un gros caïbobo pour la presse, qui travaille dans une position difficile pour permettre à la population de joindre l'information. La personne qui s'est collectif participé à Mondana, invitez la presse pour parler sur un ensemble de points qui nous estiment très importants. Kapesam gagne pour prononcer sur la situation malouque que la population a traversée. Et depuis après plus de 4 mois, depuis qu'on s'est pété et depuis qu'on ministre, le premier ministre qui a dirigé le pays. Kapesam gagne pour dénoncer le gros complot que la communauté internationale a fait ensemble avec une série de dirigeants conseillés contre la population haïtienne et Kapesam gen pour demander CPDA pour que vous prenne toutes mesures appropriées pour révoquer la présidence de SPN. Je ne dis pas après 3 mois, après plus que 3 mois, il y a un CPT en dedans pays, il y a un premier ministre qui est installé en dedans pays. Nous sommes capables de constater au point de vue politique. Le problème est devenu plus difficile. Bah, il est devenu plus noir. Et au point de vue économique, c'est presque la même situation. Il est devenu plus dur toujours. Parce que le pouvoir d'achat de la population a diminué considérablement. Et manger comme ça dans la province qui n'a pas arrivé dans la capitale à cause de problèmes de sécurité. Donc, le pouvoir d'achat de la population qui est totalement diminué. Au point de vue social même, ça n'a presque pas existé parce que le monde c'est sous fatra que le monde vit. Donc la population pas gain personne pour le relais dans la situation que la traversée. Nous sommes capables de dire ça que nous avons vécu après 3 mois, après plus que 3 mois, gagner un CPT avec un premier ministre, nous sommes capables de dire bagaille pas aller bien. Eh bien, je dis, quand ça m'invite la presse pour alerter l'opinion publique nationale ou internationale sous gros crise qui a passé haïtien nous yo frères nous yo compatriotes nous yo en République dominicaine. Gagne un gros accident qui s'est arrivé qui tué en pile haïtien en République dominicaine. Après ça me vient parler ça. Après ça me vient dire ce pays là. Pour dire li janté yon enquête pour le connaître tout haïtien ça qui mouri dans accident ça pour yo capable river connaître source accident ça. Parce qu'il y a une voie qui fait qu'on est. Donc c'est un accident planifié pour ne pas continuer à tuer les compatriotes haïtiens qui vivent en République dominicaine. Et nous avons répété, si la République dominicaine a continué à tuer les frères comme ça, c'est parce que l'ambassadeur qui est en République dominicaine n'a pas pris responsabilité. Parce que l'ambassadeur qui est dans un pays comme représentant de l'État, il y a un rôle pour le protéger, pour le défendre l'État. Et pour le défendre comme un pilote qui vit sur le territoire côté paysan placé là. Si je ne dis pas, chaque qui retourne haïtien a mouru comme ça, c'est parce que l'ambassadeur qui est République dominicaine n'a pas fait travail. C'est peut-être ça. N'a pas demandé dans un délai qui est très bref pour que CPTA rappelle l'ambassadeur qui est République dominicaine. Sous même question République dominicaine, nous avons 2 octobre 1937. C'était date que Raphaël Trujillo a massacré plus que 35 000 Haïtiens. 2 octobre 2024, qui parle de l'Union, fait 87 ans depuis le massacre de fait. Et bien, nous avons invité toute la population. Dans un gros rassemblement qui a fait ça, pour continuer à faire devant le consulat dominicain qui est dans Pétionville. Après, nous avons invité l'église Sainte-Thérèse là. Pour nous exiger l'État haïtien pour une meilleure représentation du regard République dominicaine. Parce que ça n'a pas qu'à continuer. Et nous demandons pour que y ait un mémorial qui fait dans le département nord-est pays pour qu'on rappeler qu'il prend un devoir de mémoire pour tout haïtien qui vit. À chaque fois que vous arrivez dans le mémorial là, il y a songé qui ça dominicain fait nous. Et nous te dit 2 octobre ça.
qui a gagné plus que 37 000 Haïtiens qui mourent, nous demandons pour 2 octobre ça à rentrer dans le jour de deuil national. C'est ça que Capessa nous demande. Pour dénoncer le gros complot que les États-Unis, le Canada, la France ont fait contre le peuple haïtien, mêlé ensemble avec le conseil de dirigeants, sans ne pas oublier Garconi, Napti gagne une mission multilatérale qui est en Haïti. Malgré la présence de mission multilatérale, l'insécurité est toujours à terrain. Dans ces maps, nous entendons que les prisonniers ça passé. Dans le cabaret, nous entendons que les commissariats qui continuent à craser. Nous croyons que ce n'est pas parce que Ramon Omil n'a pas de compétences, pas de capacité. Nous croyons que ce n'est pas parce que la police nationale n'a pas de capacité. Mais nous croyons, c'est parce que la communauté internationale, là, principalement États-Unis, Canada, la France, ils ont un complot qui a mené tout le pays en côté. Eux, ils ont pas les soldats haïtiens rentrer dans la bataille. Or, ils ont demandé pour l'autre soldat venir en Haïti pour une bataille. Pendant que nous avons des soldats, nous avons l'armée d'Haïti qui a plus que un millier de soldats, ils n'ont pas accepté pour rentrer dans la bataille. Deux, bataille qui a en Haïti, là, besoin matériel, des matériels volants qui fait pour combat ça pour permettre à ce que les policiers nous cap à terre pour capable gagner des guidages volants qui capable permettre yo mieux appréhender situation ça. Malgré ce pays Salvador te dit la baie Haïti avion et hélicoptère, nous voyons que jusqu'à présent trois pays ça yo ont empêché avion ça va rentrer parce que yo planifié pour que crise ça n'est pas résoudre, yo planifié pour que élection pas faite dans le pays là, yo planifié pour que haïtien cap continuer mourir dans problème insécurité généralisée ça qui est là. Et bien c'est peut-être ça. Nous même en dedans capitale, nous comprenons la situation, nous a dénoncé position les États-Unis, position la France à Canada qui était toujours trois pays qui formaient un triangulaire pour camper contre l'évolution des Haïtiens parce que nous t'ai osé dire faut esclavage fini dans le monde. C'est misère ça n'a pas passé jeudi. Et puis nous dénoncer trois pays ça qui jusqu'à présent fait complot pour que l'insécurité n'est pas fini. Et c'est eux même qui veulent ça. Pour finir, n'a dix populations. Garigoni, lui c'est président CSPN. CSPN qui c'est Conseil de Sécurité Nationale. C'est lui qui baille ministre Justice. C'est lui qui ministre Intérieur. C'est lui Premier ministre. Ça veut dire, en dedans CSPN, il y a deux seuls membres qui parlent. Chef la police avec inspecteur général là. Trois autres postes qui entrent dans ces SPN, c'est Garigoni qui contrôle. Si je dis à nous avoir sécurité, c'est Garigoni empêcher que nous ayons sécurité. Parce que côté pour yo planifier sécurité intérieure pays, Garigoni contrôle 80% de l'espace qui c'est CSPN. Nous disons aujourd'hui, CPA, camarade nous Kestay, c'est lui. Il prend le parler avec nous pour dire nous raison fondamentale qui fait que Capessa a demandé pour révoquer le président de CSPN. Non, parce que c'est lui qui a comploté pour que la sécurité arrête et la sécurité arrête comme ça. Et il te dit, nous justement des messieurs pour reconnaître l'autorité de l'État. Voilà le mot du Premier ministre et du chef de CSPN. C'est qu'à comprendre côté nous là. Donc, nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous avons juste fini pour nous dire. Gagnons budget rectificatif qui fait que rectifié là. Très souvent dans le pays, les IAP rectifié ou voté proposition, projet de loi de finances, ils n'ont pas jamais tenu compte de besoins départementaux. Ça veut dire que le budget, ça n'a pas jamais un budget qui reflète la réalité nationale. Là. Je dis, nous mettons dans le Capessa. Nous avons dit, le budget, ça a bien pour sortir, pour rentrer en application de octobre, il
faut li gagner, faut li refléter réalité qu'a fait en dedans département. Budget a pas concentré sur Port-au-Prince. La caille menant nord-ouest qui est problème. Pas de route de BDN, Mol Saint-Nicolas, Jean Labelle, à chef vieux département qui se porte bien. Pas de route. Budget yo toujours a fait travail, n'est pas Port-au-Prince. Faut que ça finisse. Les petites nord-ouest fin fait filo, ils ont obligé de monter Port-au-Prince. Pour venir dans l'université. Nous pas de université dans nord-ouest. Ministre sorti, moi pas quoi bon monde nord-ouest. Non, ministre yo qui ministre. Direction générale pour sorti. Nous t'a souhaité que des monde nord-ouest quoi ça qui sorti comme directeur en dedans boîte tout parce que nord-ouest gain monde qui gain capacité. Nord-Ouest qui est gros intellectuel là-dedans, il faut que suspend traiter Nord-Ouest en parlant pour vous. Parce que nous-mêmes, petit Nord-Ouest, nous avons tous les acteurs pour ça. Donc, n'a pas passé, camarade Christian Saint-Louis, Mikoua, il va parler ensemble avec nous sur démission ou révocation Gary Conille, qui est président de CSPN dans la tête de l'État. Merci. Fâchez toi papa, même si vous demandez une vocation, pas qu'à fâcher. La vie moun, sécurité moun, ak santé moun, li garanti par constitution haïtienne nan article 19 li. Et institution que constitution bay droit pour garantir yo c'est ministère intérieur, c'est ministère de la justice et qui gagne en balle police nationale là. Eh bien, si nous constatons nous et ce qui t'a marché sous nous caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, c'est parce que chef CSPN c'est lui-même qui a comploté l'insécurité qui a manigancé dans le pays. Oui. Dès que la mission CSPN, c'est résoudre l'insécurité et puis faire élection dans le pays. Eh bien, pas mal de me poser. Dans l'insécurité, même si CSPN ça s'appelle Moutéa, il y a 5 nouveaux territoires qui perdent. Dans vous, Carrefour, Gressier, Gantier, Akaye, Aksemak, et insécurité marche à toute bouline, sous un solino, Delmatran, Crissoua, dans le moment de la Yon chef CSPN qui m'a quitté de Paul devant l'hôpital général. Yon chef CSPN qui campait à bouche pâle, il ne dit pas qu'à résoudre, il ne va pas faire l'élection dans le pays. Yon chef CSPN qui bat dans la santé. Et yon chef CSPN qui a sécurisé 400 militaires touristes kenyans. C'est pas possible. Tandis que peuple dans la rue l'a crié pour insécurité, eh bien, premier ministre lui-même l'a marché dans tout hôtel, l'a chanté, l'a boué. La boué. Whisky. Pour toutes conditions, ça y nous-mêmes dans le Cap-Essam, nous avons demandé avec CPTA, pressé. Nous balis responsabilité et on délai jusqu'à 31 août
pour lui résoudre le problème de sécurité à aujourd'hui. Et si vous regardez, il est chef CSPN, non, pas capable de résoudre le problème de sécurité à pour lui évoquer. Eh bien, si nous regardons nous être en passé, à partir du 1er septembre, nous-mêmes dans le café ça, nous pouvons planter piquet nous, devant, si vous, CPT. Pour le blanc, pour le blanc, des responsabilités. Créole pour moi, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous ne pouvons pas bouquer, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix lui. Et moi, c'est Créole Promo SPS, fait choix par lui. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo, sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On soupe une plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille Jean Yoya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont à aimer et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.